Mousito, Gizenga, Badibanga ce lundi à la Cour constitutionnelle. Les 6 candidats invalidés par la CENI, sur les 25 prétendants au fauteuil présidentiel. Il s'agit de 3 anciens premiers ministres, Antoine Gizenga, Adolphe Mousito et Sami Badibanga, de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, de Marie-Josée Ifoku et de Jean-Paul Moka du MB. Parmi les 6 candidats recalés, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mousito, le patriarche Antoine Gizenga et Sami Badibanga ont résolu d'introduire leur recours, dès ce lundi 27 août, à la Cour constitutionnelle. À en croire le rapporteur de la CENI, les 6 candidatures déclarées irrecevables l'ont été pour non-conformité aux conditions d'éligibilité, en violation des dispositions légales, spécialement les articles 72 de la Constitution, 9 et 10 de la loi électorale. Ainsi, dans le tableau récapitulatif des éléments de composition du dossier physique des candidats présidents, la CENI motive brièvement les raisons de sa décision. Les candidats Sami Badibanga et Marie-Josée Ifoku sont écartés pour défaut de nationalité d'origine. Car, argumente Jean-Pierre Kalamba, après avoir perdu sa nationalité d'origine, le recouvrement de celle-ci ne donne droit qu'à une nationalité d'acquisition, et non pas à une nationalité d'origine requise par la loi. Jean-Paul Moka est invalidé pour paiement des frais de dépôt de candidature non rétractable, et non confirmé par la DGRAD. Adolphe Mousito, malgré le fait qu'il ait joint au dossier une lettre de prise d'acte de sa suspension par le PALU, la CENI note qu'il y a conflit d'intérêts avec son ancien parti qui conteste sa candidature. Antoine Gizenga a été recalé pour défaut de qualité du signataire des formulaires de mandat d'investiture C5, C6, C7 et C8. Quant à Jean-Pierre Bemba, le leader du MLC est rattrapé par sa condamnation par la Cour pénale internationale, à 1 an de prison, et au paiement de 300 000 euros pour subornation des témoins, le 8 mars dernier. La RDC se dirige dangereusement vers une crise électorale certaine. Plus de doute, les élections du 23 décembre vont déboucher sur un chaos encore plus redoutable que celle de 2011. La majorité présidentielle a été la première à dire que Jean-Pierre Bemba devait être invalidé pour sa condamnation à la CPI. Dans l'affaire de subornation de témoins, la CENI vient d'exécuter parfaitement cette injonction, en invalidant la candidature du président du MLC. De même, le ministre de la Justice a transmis, le 15 août, une liste des personnalités à invalider pour une détention supposée de la double nationalité. La CENI s'est servie de cette liste, de manière sélective, pour écarter tous les candidats, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec la majorité. Les élections de décembre sont définitivement compromises. La CENI semble avoir bradé sa neutralité et son indépendance. En réalité, c'est Joseph Kabila qui décide. Que Étienne Tshisekedi soit enterré ou pas, c'est lui qui décide. Le retour de Moïse Katumbi au Congo ne dépend que de Kabila. L'irrécevabilité de la candidature de Jean-Pierre Bemba, c'est la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État congolais décide sur la non-participation aux élections des Congolais de l'étranger, sur l'arrestation des opposants et sur l'éclatement et dissolution des partis politiques. Pour Joseph Kabila, l'appareil institutionnel se présente comme cette vaste structure dans laquelle les acteurs sont manipulés à sa guise. Il peut ainsi, par sa simple volonté, décider d'y admettre Jean-Pierre Bemba, là où Moïse Katumbi est exclu, puis attendre le tour suivant pour en exclure à son tour l'ancien vice-président de la République. Tandis que, Mousito et Gizenga, deux leaders du Bandundu, se voient renvoyer dos à dos en dehors de la course présidentielle, histoire de jeter un peu plus le trouble au sein de leur électorat. Le sort de Jean-Pierre Bemba, Adolphe Mousito, et autres, sont actuellement entre les mains de la Cour constitutionnelle. Celle-ci est appelée à jouer clairement son rôle d'arbitre neutre, qui va rendre son verdict sur ce contentieux, sans la moindre pression extérieure. Car il y va de l'avenir même du processus en cours. Il est un fait qu'avec l'absence de Moïse Katumbi, empêché de venir présenter sa candidature début août, avec l'invalidation de Jean-Pierre Bemba, deuxième lors de l'élection présidentielle de 2006, le processus électoral entre dans une phase d'incertitude. Le souhait des Congolais est que les élections de décembre soient vraiment des élections démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées. Car, l'histoire nous enseigne que la politique d'exclusion a toujours été l'une des causes des conflits et guerres à répétition qu'a connu la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Sami Badibanga brandit sa congolité d'origine, s'estimant lésé par la décision de la CENI. Sami Badibanga brandit à la fois le droit, la géographie et la sociologie pour prouver sa congolité d'origine. Je bénéficie d'un arrêté ministériel portant recouvrement de la nationalité congolaise d'origine, justement c'est bien spécifié,
qui a été signé le 25 novembre par le ministre actuel de la Justice. Donc, en prenant une telle décision, la CENI se substitue au ministère de la Justice et tente même de me faire croire que le ministre de la Justice est incompétent. D'autre part, comment se définit la nationalité congolaise d'origine? J'ai les deux parents qui sont congolais et je fais partie de cette ethnie du centre du Congo. Donc, je remplis tout à fait les deux conditions. Comment peut-on me faire perdre ma qualité de congolais d'origine? On ne perd jamais ses origines à moins que la CENI veuille bien faire de moi un apatride et me demande de renier mes parents, précise Sami Badibanga. Yo changea nationalité, aux hommes bilan nationalité la congolaise, parce que le Kambango est au Mali. Pour autant moi la liste, on a ceux qui parlent la binoté, bino na basi na bino vous avez pas. Pour la mienne, nakati ya programme na yo, au fond du cas les solans ont été double nationalité pour toi après mondele comme ça bali bangati dans la ramenée. Maman, je te remercie pour la question na yo. D'abord, na le bien mot clairement na le photo. Que nasi na recouvra nationalité nangai congolaise et que les Kamboyako banga wana réalité candidature nangai koko ya la rejeter pour na les Kamboyana terre na sala ki ba démarche nyonso oyé sengeli pour na ko recouvrir nationalité congolaise mais nazali ko défendre effectivement ngai les Kamboya double nationalité pour na ba congolais d'origine. C'est-à-dire, Moutoua Azali Congolais à Makila, Topendenge, Baloba na constitution, Kaza pour appartenir à la ethnie y a Congo avant 1960, Batoana Bakouki pour perdre nationalité na Bango Congolais, parce que Bazui nationalité Moussousso y a étranger. Bazali est belé, oh Bazali, na Bango Kapoto, na Bango Kabapaya, Babo Tape Bana, qu'on refusait bango nationalité, kaka po bazui ba nationalité wana, n'a pas trouvé yango ni kamuya malamute. Il faut qu'on permette bango ba pour qu'on zonga na mboka na bango, ba pour qu'on travaille na mboka na bango, ba tuana ba tikala ba congolais tilelo. Tozo boya ba garder ba nationalité na biso, mais ceux qui batindi mbongo na bango wana bondimi. Sont ni toboya pe na bambongo na bango. Donc je pense que vraiment les Kamwana il faut être clair, tout la constitution dans les Kamwana pour nato bongisa yango. Mais ceci étant dans mon coloyalelo, les Kamwana ezali la constitution. La loi doit être la même pour tout le monde. D'abord, premièrement, ministère de la justice. Il faut ministère de la justice et kokakoyala suffisamment outillé pour élander la batunions. Tout est le macaque à la macamba de dénonciation. Parce que tous appels à bande comme Soussou, baso ba nationalité à ba pays frontalier. Baza nationalité à ba pays frontalier, mais baza pe ba congolais. Bao wana toko découvrir dans mon DNA. Oya mbote mboka ya poto loko les a organisé, bozo mwana yango. Mais à ba pays frontalier, ministère de la justice a osala nemeni. Je vais encore plus loin. Ministère de la Justice, il faut faire comme matin à point, à mener une enquête pour l'ADN. Pour que les gens ne soient pas là, ils ne sont pas là. Ba misusu ba yali ba ya ba zope ba kombwa ba tata misusu awa meso otali bango mobulu. Mais alors il faut ba enquête wana et kende ti na suka nango. Honoré par les ressortissants de l'espace Grand Kassaï. Vendredi 25 août 2018, les fils et filles de l'espace Grand Kassaï ont organisé une double réception en l'honneur d'Emmanuel Ramazani Chadari. Cela, pour la désignation du secrétaire permanent du PPRD comme candidat du Front commun pour le Congo, à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018.
Le Grand Kassai s'est donné rendez-vous le vendredi dernier à l'espace Fête Parfaite dans la commune de Lagombé. Les ressortissants du Kassai oriental, Kassai central, de la Lomami et du Sankourou ont voulu rendre un vibrant hommage au président de la République Joseph Kabila Kabangé pour son acte de bravoure politique qui l'introduit désormais dans l'histoire de la démocratie congolaise d'une part, a précisé le professeur Évariste Boshab, l'un des notables du coin et l'un des encadreurs politiques d'Emmanuel Ramazani Shadari. Je voudrais que nous puissions applaudir très fort le président de la République, chef de l'État. Cet homme qui est entré dans l'histoire de la démocratie en administrant des leçons à tout le monde. Nous devons également applaudir notre candidat. Vous avez suivi son parcours. Il a poursuivi les cursus honorum jusqu'à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. D'autre part, le Grand Kassai a tenu à réaffirmer son soutien inconditionnel au candidat Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre 2018. Propos du gouverneur du Kassai oriental, Alphonse Ngoyi Kasangi, en sa qualité de doyen de gouverneur, entouré de ses collègues d'autres provinces de l'espace Grand Kassai. Nous, fils et filles de l'espace Grand Kassai, exprimons notre soutien indéfectible à l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari pour poursuivre l'œuvre entamée par son Excellence Joseph Kabila Kabangé. Auparavant, un culte œcuménique a été organisé à l'initiative du comité organisateur présidé par le professeur Adolphe Lumanumulenda Bonansefou et madame le secrétaire permanent adjoint Jacqueline Pengue, pour ne citer que cela. Pour joindre l'utile à l'agréable, un repas digne des convives et l'animation par plusieurs groupes folkloriques du coin ont été également au rendez-vous. Congo Synthèse, la synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse, www.congosynthèse.com. Mais ça que moi, c'est dans mon bal, jamais pas qu'on s'en a divorcé. On a tout le monde.
libalo yo. Toso bala na te poto sala na mabe.